Eh bien salut à tous et à tous, c'est Early Just Move, on se retrouve aujourd'hui pour, et oui ça vous étonne peut-être, la suite de notre aventure sur ce Harry Potter Lego années 5 à 7. Alors pourquoi je continue cette série alors que j'avais dit que je m'arrêterais au 5? Donc tout simplement parce qu'en ce moment, donc là on est vendredi soir, je suis bientôt en week-end, je vais pouvoir aller acheter des jeux, mais en ce moment j'ai pas grand chose à vous publier, je l'avoue, je manque un petit peu d'aider, et donc là je vous rassure, que je vais quand même, mine de rien, me donner un petit peu dans cette série. Et là, on va continuer avec Harry Potter 6. Je sais pas si je le finirai. Si vous me dites, y en a marre des Harry Potter, arrête ça tout de suite, j'arrêterai évidemment. Parce que autant que je joue pour moi, si c'est pour que personne regarde. Donc là, je ne sais pas si ça va devenir un petit peu plus intéressant. Parce que le 6 est plus intéressant, je sais, dans le film, que le 7. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire, beaucoup de vues, ça me fait plaisir comme d'habitude, toujours une telle intensité de visites sur ma chaîne, ça me fait plaisir, évidemment c'est normal pour un jeune youtubeur comme moi que tout cela me fait plaisir. En attendant, comme vous pouvez le voir, donc, ça commence à chauffer. Donc les mange-morts capturent Ollivanders. Ollivanders qui était, donc, je vous rappelle, dans le Harry Potter Lego. Le Harry Potter Lego des sorciers. Ollivanders est le vendeur de tout simplement de baguettes magiques pour sorciers et sorcières. Donc voilà, évidemment. Donc évidemment, si vous devez reconnaître certaines scènes de du Harry Potter 6. Donc, le nom de ce Harry Potter 6, c'est Harry Potter le prince de sang mêlé. Et donc voilà. Donc là, on se retrouve, je vous rappelle, donc, dans l'aventure, on va aller chercher donc, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je sais plus comment ça s'appelle. Et donc pour votre information, je n'ai jamais été là encore à ce jeu. Et donc ça peut très bien se passer. Ou bien le contraire, très mal se passer. J'espère que ça va en tout cas très bien se passer quand même. Il y a sûrement quelque chose à faire avec cette petite voiture. Ah oui, c'est quand même assez grand. Hein. Très bien, alors Dumbledore il a quoi comme ça? Tac, 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 tac. Ouais, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a la baguette de Dumbledore, sérieux? Ça me fait. Bah, c'est la baguette la plus puissante. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la série en film, on l'appelle donc la baguette de Surin. Elle est quand même assez. Bah, c'est la plus forte baguette au monde, quoi. Et donc là en fait j'essaie de retrouver, donc c'est pas encore que je suis bloqué, évidemment comme je disais avant ça arrive encore. Ça arrive encore et donc personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui trouvent que ce jeu c'est de la merde. Eh bien je m'en fiche. Honnêtement je m'en fiche. Donc là en fait je ne sais pas du tout quoi faire, c'était débile. Étant donné que je suis sûr que la solution est tout simple, comme d'habitude, étant donné, je sais pas si vous avez pu le voir il y a quelques temps que j'avais beaucoup eu du mal à pas à m'imposer dans ce Harry Potter, mais à voilà, avoir avoir en fait une bonne que des bons épisodes, quoi. Donc là, je dois aller chercher donc le professeur. Je sais plus comment il s'appelle, moi. C'est une personne assez bizarre, je pense. Je sais pas s'il y a que moi qui a pu le constater. D'accord, ah oui, il y a ça.
forcément quelque chose. Voilà, j'ai raison. Et voilà. D'accord, alors, tac. Transplanage. Alors là, je suis d'accord avec. Il va falloir récupérer. À mon avis, des choses. On va voir si ce que je vais sortir d'ici tout à l'heure ne m'a pas beaucoup servi. Mais là, non plus. Bien. Là non plus. Si je fais ça non plus. Et si je fais ça, nickel. Je vais me fumer. Comment est-ce que je peux faire? Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant que j'arrive, il y avait un oiseau donc. Qui s'est tout simplement posé là-haut avec une pièce dont je vais avoir besoin. Non, déjà, il va falloir que je fasse passer Harry Potter, à mon avis. Ou je sens que ce Harry Potter 6 va être un petit peu plus dur quand même. C'est vrai, notamment, je parlais du Harry Potter 5 qui était quand même pas moment difficile. Là, je peux vous assurer que ça peut devenir très dur. Ça peut devenir très dur. Comme là où... Ah, c'est en train de faire sortir quelque chose. Oh, c'est long. Bah, c'était non plus 2 heures à faire une vidéo sur attention, je sens quelque chose. Non, ce serait pas intéressant. Alors là, par contre, il faut que j'arrive à dégommer ce petit oignon. La tondeuse, on peut faire quelque chose. Voilà. Voilà, donc là, je peux avoir Harry Potter. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué auparavant, mais Harry Potter pouvait servir à quelque chose à ce niveau-là, parce que si j'en active un, le professeur Dumbledore va pouvoir en activer un autre. Et donc c'est génial, on a une machine. Alors. Donc pour ceux qui comptent acheter le Harry Potter, c'est très simple, il coûte pas cher. Je ne pense pas que ce Harry Potter peut être une grosse dépense. D'accord, donc je sais pas conduire hein, pour votre appel. Alors, c'est très bien d'avoir ça, mais ce serait mieux si j'avais le zozio. Il y a des choses qui peuvent m'intéresser dans les poubelles. Voilà. Et dehors. Donc, ces vidéos seront publiées. Cette fois-ci, je vais respecter ce que je voulais dire, ce que j'avais dit. Elles seront publiées. Une fois seulement par D'accord, c'était ça. Donc là, il faut que je soulève la roue. Voilà. Ah oui, donc elles seront publiées donc 2 fois par semaine, je pense. Donc c'est une vidéo donc qui je ne sais pas va durer combien de temps. La première Harry Potter 1 6 Ça, si. Non, 12 et... 14 épisodes. Et donc, ce niveau 2, si on peut dire ça, de ce Harry Potter. Voilà, tout détruit. Va peut durer aussi un petit bout de temps, je pense. Donc, après, voilà. Ah, c'est la meilleure ça. Donc là, il va me falloir ça. Dans tous les cas, faut que je trouve un moyen de dégommer l'autre là. L'oiseau. Ah.
intéressant parce que la voiture se détruit tout seul. Alors là, pas faire de boulettes. Et merde, je sais pas du tout comment ça se pilote cette merde. Voilà. Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Merde, c'est pas le bon. Désolé, professeur. Oh putain, encore. On va tout casser au final. Ah, voilà. Je pense que ça pourrait m'aider, ça. Voilà, exactement. Et voilà, je peux donc... récupérer cette potion qui va donc me faire devenir plus fort. On l'a vu dans le Harry Potter 5 notamment. Donc on va continuer. Et on va aller prendre cette petite poignée. On démonte la porte. Et on est parti donc là. Donc je vous rappelle que dans le film, normalement, le professeur devient alors un canapé. Le prof, voilà, là normalement ça va devenir un canapé, donc je pense, voilà, je pensais à ce canapé là, bah j'avais raison. Alors qu'est-ce que je pourrais dire par la suite, sinon bah on attendra, on va attendre un petit peu le... la fin du cinématique pour reprendre donc cette petite partie qui est pour moi très intéressante. Pour l'instant, je me fais un petit peu chier, je vous l'avoue. Et donc voilà le professeur. Professeur, je sais plus comment. Oula, Dumbledore a envie de pisser. Donc on fera, oui, étape par étape cet épisode-là. Histoire que je puisse vous publier un maximum de vidéos tout en sachant que ces vidéos pourraient vous faire plaisir, évidemment. Alors là, on est de nouveau, on se retrouve de nouveau dans le... Alors qu'est-ce qu'il y a comme pouvoir? Voilà, le professeur Slughorn. Et attention, canapé. Attention, bonhomme. Le professeur donc Slughorn. Professeur Slughorn déforme prominé dans le film Prochain défense contre les forces du mal. Ok. Voilà. On va tout péter. Non, on peut pas. Si on peut. Et voilà, donc je peux. En fait, je pense qu'on va devoir remettre la maison en état. Comme ils le font, je pense, dans le film. Notamment. Et donc remettre les tableaux en place. Mais ça, mesdames et messieurs, on le verra dans la prochaine vidéo. J'en mets un et on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo où j'aurai fini de mettre les autres pour passer au passage suivant. Bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter ou n'importe quel jeu. Allez, bisous.